Salut à tous les gars, c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire une aspiration collective 4, donc c'est la quatrième activité, la quatrième map si on peut dire ça comme ça, le quatrième circuit en l'occurrence, et on est avec les verts et il y a trois équipes, quatre équipes, trois, quatre équipes, c'est bien ça, donc on est quasiment au complet si je ne m'abuse. Ouais, on est 15 ou 16, je sais plus trop. Donc je rappelle le principe de cette course. C'est une course en équipe, donc pour passer les points, il faut que toute l'équipe soit réunie dans un même périmètre. Voilà, si on a un qui a de l'avance ou un qui a trop de retard, et ben les points ne se prendront pas. Il faut vraiment rester avec son équipe. On a évidemment le droit de frapper, donc avec les armes de corps à corps, les ennemis. Et le but c'est de finir la course en tête avec son équipe. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis assez friand de cette activité. Là, mon équipe elle a pris un petit peu trop d'avance. Est-ce qu'ils vont m'atteindre? Eh ben non, ils m'attendent pas. Ça fait kiffer. On va essayer de castagner un peu les oranges là. On n'a pas le point. Ah là là là, l'équipe de bras cassés quoi. Il y en a qui sont trop pressés à chaque fois. Wouh! Ils m'ont fait stunt. Wesh, pourquoi il avance pas l'autre? Ah, il a quitté la partie, d'accord. Attendez-moi les poteaux. Oh, on est dernier quoi, la misère. Allez, on se prend l'aspi mutuellement. On avance ensemble les gars. Yes, on est bon, on est bon. Ouais, il va me faire tomber lui. Faut que je le dégomme. Ils ont atterri super loin. Oh, je l'ai fait tomber, allez hop. Ça dégage. Ah, les violets, ils sont super loin, mais il y a les roses juste devant. Faut essayer de les rattraper. Ah ouais, il m'envoie dehors, il est sérieux. Un gars de ma propre équipe quoi qui m'y jette. C'est nimp. Allez, allez, attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. Allez, on y va. Ralentissez un peu, non, j'ai pas votre aspi. Ah, ils sont pas très ordonnés, ils ont pas envie de jouer en équipe. Regardez, ils se poussent et tout, c'est la misère. Allez, on prend l'aspi. On a doublé les roses? Non. Pourtant, ils ont un joueur de retard, je comprends pas.
Quoi? Mais non! Ah ouais, on peut pas descendre du véhicule en plus. Qu'est-ce qu'il fait le verre là-bas? Il est en retard. Allez, faut se faire les roses là. Oh, ils m'ont même pas attendu quoi. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Prenez mon aspi, les gars. Allez! Je les ai pas vus venir sur la map, je pensais que c'était les verts derrière. Ah ouais, on est dernier quoi, mes coéquipiers c'est vraiment des brêles. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Ah ouais, il me fonce dedans, mais. Oh! Ça, c'est ce que j'aime pas dans cette activité, c'est que si vous voulez la faire, faut vraiment la faire entre potes, parce que si vous la faites avec des gens comme ça qui connaissent pas le mot coéquipier, c'est fini. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est fini. Ah non, le quatrième, parce que ils se comportent comme des enfants qui veulent être premiers alors que on est ensemble quoi. C'est le même résultat que j'avais fait dans ma première vidéo, voilà, j'avais voulu refaire une vidéo là-dessus pour vous remontrer ça, mais c'est exactement la même chose. Regardez l'autre, il est parti tout seul devant, il sert à rien. Voilà, maintenant c'est moi qui suis en retard parce que ils m'ont pas. C'est pas qu'ils m'ont pas attendu, mais voilà, l'autre il a voulu partir devant. Voilà, on a du retard sur les autres maintenant, qui va être impossible à rattraper. Ils s'envolent, c'est pareil, ça sert pas à grand chose en soi. Ah non, ah ouais, j'ai ralenti pour rien, ça a bugué, je pensais qu'on avait pas eu le point. Ah bah d'accord. Ah, on peut rattraper les oranges peut-être. Ce serait bien de sauver la mise. Regardez, ça se tape là. Hop, on en a profité, on est passé. On a doublé les. C'est les oranges ou les verts? Les oranges. Mais non, les verts, c'est nous, je suis con. Oh, il y a les violets juste là, on est deuxième. C'est beau, quelle belle remontée. Allez, on y va, on y va. Les roses, ils sont loin, ils ont 1 minute d'avance sur nous, il faut qu'on soit vraiment pas mal là. Ah là là là, faites pas ça les gars. Attendez-moi tout petit peu, arrêtez de stresser. Ça va, c'est pas mal, on est remonté deuxième. On a réussi un peu plus à se coordonner, on va dire. On a toujours autant de retard sur les roses, par contre. Donc pour la victoire, ça va être tendu. J'ai dû le faire flipper lui. Allez, on y va.
On a pris 3 secondes sur les premiers, mais bon, ouais, à mon avis, ils vont finir la course. Donc on fera pas les 2 ou 3 manches, hein, on fera juste 7 manches en vidéo. Sinon, ça va être beaucoup trop long. En tout cas, c'est une activité vraiment stylée que je vous conseille de faire avec vos potes si vous pouvez, hein. C'est vraiment pas mal et en plus il y a double XP de. Enfin double RP et double dollar, donc on peut se faire pas mal d'argent avec cette activité-là. Je vous la conseille, elle est vraiment stylée. Moi je la kiffe, hein, même si voilà, c'est pas toujours évident avec des personnes qu'on n'a pas au micro, mais. Franchement, c'est un kiff quoi. Ah, on a perdu un collègue, non. On rattrapait bien les premiers. Ah, ils ont gagné. Bon, bah voilà, manche perdant. Bon bah nous on va se laisser là-dessus. Oui, on a déjà gagné 13 000 alors qu'on a perdu. Ça va, c'est pas mal. On va se laisser là-dessus. Si ça vous a plu, vous mettez un petit like, vous laissez un petit commentaire, vous n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Et re les gars, c'est donc la fin de l'activité. Là j'ai fini l'activité. On a fini par gagner, voilà, donc on a gagné 2 manches, on en a perdu une, ce qui nous a fait 3 manches. Et regardez le tableau final des scores. Donc là, c'est ce qu'on a gagné sur la dernière manche, si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ce qu'on a gagné sur la dernière. Et au total, j'ai gagné 126 130 dollars. Donc vous voyez, c'est vraiment vraiment rentable. À quelques dizaines de milliers près, j'ai gagné 100 000 dollars de plus que la deuxième équipe. Donc c'est vraiment 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 pas mal. Je vous conseille de faire cette activité encore le temps qu'il y a encore le double dollar et le double RP. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse, à la prochaine, ciao bye.